One, two, one, la course au clocher. Aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai, aïe, 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 je veux te voir à Château-Gontier. Le 5 mai. Pourquoi, Bruno, tu t'impliques dans l'organisation de ce Point to Point ? Car je suis voisin de l'hippodrome de Château-Gontier et ça me tient à cœur de participer au bénévolat de ce Point to Point. La motivation, moi, c'est que de voir les courses de Château-Gontier être supprimées par des personnes qui nous ont tirés dans le dos. Donc, je me replie sur le Point to Point pour au moins avoir quelque chose à Château-Gontier. Pourquoi c'est si important d'avoir quelque chose à Château-Gontier ? Les courses, c'était sacré ici, mais il y en a qui s'en foutent. Je suis en contact avec Eric, je suis chez Eric Leray, je suis à la retraite et puis je rends service et puis c'est lui qui m'a proposé de venir donner un coup de main, voilà, c'est tout. Parce que les courses, c'est quoi pour vous ? J'aime ça. Puis c'est, hein. Vous aimez ça pour les chevaux, pour la fête, pour les chevaux et puis je suis joueur en plus, alors voilà. Ce qui me motive, c'est que bon, j'étais dans les chevaux pendant plus de 10 ans, dans le temps quoi. Et je voulais recommencer quoi, avoir le contact des chevaux. J'ai été éleveur, j'ai arrêté l'élevage, mais je voulais garder toujours un contact dans les chevaux. Vous le sentez bien, vous le point to point là ? Je pense, oui, il y a l'air de la motivation.